en cuisine, sur Vivacité et sur la Une. Candice, c'est l'heure du cordon bleu. Oui. Et nous accueillons un nouveau cordon bleu aujourd'hui, c'est Thomas Di Felice. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Alors, tellement ravi de vous accueillir. Vous n'êtes pas inconnu du public de la Une en tout cas, puisque vous êtes dans On n'est pas des pigeons. Vous étiez pendant la saison 2022-2023 dans On n'est pas des pigeons. Et vous venez maintenant dans En cuisine en plus. Mais on va essayer un peu de parler de ma passion, c'est-à-dire l'électroménager, c'est ça que Oui, vous avez amené des bébés ici. On a amené des gros. C'est des gros bébés. C'est vraiment les miens. On les adore, on les adore. Parce qu'ils sont un peu. Ils ont passé à la vaisselle. C'est parfait, c'est ça qu'on veut. D'où vous est venue cette passion pour l'électroménager? C'est quand même particulier, quoi. Mais de mes parents, en fait. De mes parents. Donc, ils ont toujours un commerce. Et donc, j'ai commencé ça vraiment très, très jeune. J'aimais vraiment bien ça. Et alors, surtout, c'était dans les foires commerciales. Donc, moi, je suis de la région de Sombreville et de Tamines. Et en fait, il y a eu toute une époque, dans les années 90, les foires commerciales étaient fort présentes. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu de ça. Complètement. J'adorais, moi, aller dans les foires commerciales. Des grands chapiteaux avec le bois à terre. Voilà, où on mangeait sous une chaleur de 40 degrés en plein été. Et voilà. Et donc ceci, moi j'adorais aller voir des stands où ils vendaient d'abord et ils faisaient des démonstrations. Et ça me passionne comme encore dans les marchés français. Il y a des démos maintenant, le super coup. Moi, ça me passionne. Le mec qui a le petit micro comme le vôtre. Oh, oui. Mais est-ce qu'on sait partir sans acheter le truc? C'est très difficile. C'est impossible. C'est extrêmement compliqué. Dessus pendant 10 ans, sinon. Moi, je trouve ça génial. Et surtout, je trouve que l'électroménager a toujours été. On l'a toujours un peu sous-estimé. D'abord, on l'offrait à la fête des mères. C'est vrai. Niveau des fers à repasser, tout ça. C'est parfois vexant. Hein. Heureusement, c'est fini ça, parce que quand même. Cite l'homme qui vient de dire que sa femme ne fait pas forcément les meilleurs cannelés au monde. Vous ne serez pas pardonnable. Ça ne sert à rien. Excusez-nous. C'est une blague. Il y a 10 minutes. Et donc je trouvais ça génial de pouvoir en parler. Et moi, quand j'étais petit, que je faisais les foires et les tests et j'allais en usine, le but, c'était de tester. Et j'aime encore, maintenant, j'ai 40 ans, j'aime encore tester, comme un enfant, les électroménagers. Donc, ça me passionne encore énormément. Qu'est-ce que vous avez amené de beau et quels sont vos... Pourquoi ceux-là? Alors, pourquoi cela? Parce qu'en fait, ceci, je ne sais pas si d'abord vous savez en quelle année vraiment l'électroménager est entré dans les foyers. À mon avis, après l'ère industrielle, quand il y a eu l'électricité dans les foyers, voilà. On s'est dit, il faut faire quelque chose pour la ménagère. Exactement. Donc, d'abord, ça a commencé surtout par le gros ménager. Oui. Le gros ménager, donc ça, ce n'est pas vraiment le but de la discussion ici, mais juste pour dire que d'abord, on a amené la cuisinière. Hein. En fait, la cuisinière, sinon, on devait cuire au feu de bois. Donc, on a amené la cuisinière et ensuite, on a commencé à amener l'électricité dans les foyers. Et donc, le lave-linge, le frigo. La conservation des denrées, hein, c'est primordial quand même. Et ensuite, est apparu, et en Europe, c'est apparu plus ou moins dans les années 60, hein, ce genre de petites merveilles ici. Mais les premiers, c'est celui-ci. Et c'est les Américains. Voilà, qui ont créé faut-il le dire. Faut-il le dire. C'est vrai, moi je suis pro-Amérique. Je trouve qu'il y a à boire et à manger dans chaque chose. Mais c'est vrai qu'au niveau pionnier de plein de choses au niveau gastronomie, culinaire, facilité de cuisine dans le monde, ils sont incroyables. Ils ont créé des choses incroyables. Incroyable. Donc ici, c'était vraiment le fait de, voilà, quand on vient battre des blancs en neige, si vous l'avez déjà fait à la main, moi je l'ai déjà fait à la main, bon, je ne suis pas équipé de muscles, hein, donc c'est un peu compliqué. Donc, quand vous avez ce genre de choses, vous êtes tout content de pouvoir battre, même presque un jaune d'œuf, on sait faire avec ça, ou un blanc d'œuf si on fait des Ça, c'est le fameux artisan de KitchenAid. C'est le fameux, ce qu'on appelle le robot sur soc, qui fait encore 12 kilos et demi. Hein. Ouais. Voilà, tout à fait. C'est fabriqué à Saint-Joseph du Missouri, cette petite merveille. C'est très, très pratique. Et donc, grâce à ça, la ménagère a eu de l'aide. Et ça remonte aux années 30, quand même, ceci. Donc, vraiment, ça a été les tout premiers. Et alors, pour l'anecdote, KitchenAid, c'est simplement la femme de l'ingénieur qui a fabriqué ceci, qui a dit c'est vraiment une aide à la cuisine. KitchenAid. Voilà, ils ne sont pas cassés le citron pour le trouver, donc c'est ça qui est bien. Ils ont été assez vite. Années 30, j'ai sous-estimé. Voilà. Je pensais que c'était quand même beaucoup plus, moi aussi, j'ai dû plus récent que ça. Voilà. Oui. Maintenant, les premiers n'étaient pas comme ça, étaient un peu plus spartiates. Mais, et alors, c'est dans les années 60-70 où on a commencé à les avoir. Et puis maintenant, ils sont 40 millions de couleurs maintenant. Oui, ils partent un peu des fois dans des délires un peu spéciaux, mais à la base, ça reste un robot qui aide vraiment tous les jours dans la cuisine. C'est un bon robot. C'est un bon robot. Moi, j'en ai un comme ça et je l'ai. Enfin, il a vraiment. Il a passé les âges. Je ne sais pas dire de combien d'années je l'ai. Maintenant, il commence légèrement à mourir et je le remplacerai par un autre que celui-là. Vous vous rappelez pas, mais c'était en 1930 que vous l'avez eu. Espèce d'ignoble. Il est ignoble aujourd'hui. Il est insupportable. De dire ça. C'est une émission anti-féministe. Apparemment, c'est quoi cette histoire? J'étais pas au courant. Donc, vous avez ici, pour bien prouver la longévité de ces robots, ici, on peut même remplacer les balais moteurs. Comme quoi, c'est très très rare. Et alors,
en Europe, c'est ceci qui a plutôt fait fureur au tout début. Donc c'est Magimix, un robot coupe, hein, si vous voyez un peu cette fameuse marque robot coupe. En fait, ça, c'est vraiment des robots qui étaient des coupeurs. On peut montrer ceci avec des, vraiment des robots, des couteaux fabriqués à tiers en France. Et ça, c'est Pierre Verdun qui a amené ça dans les années 60. Et ça, vraiment, commencer à faire une salade de choux, etc., au couteau. Si vous n'avez pas forcément les techniques, ça a vraiment pu aider. On peut tout mixer avec ça ? Alors, on peut mixer et couper ceci. On peut même faire du pain si on a envie avec ce genre de choses. Bon, là, on a pris le très, très bel appareil. Hein, voilà, parce que dans les ménages, moi, je trouve un produit qui a vraiment fait fureur, c'est bêtement la moulinette de chez Moulinex. Oui. Ce petit truc-là, parce que hacher du persil très finement ou faire une petite anchoyade, ben, il faut un petit mini hachoir. Hein, donc. Moi, je le fais au ciseau dans un verre. Oui, mais c'est tout à fait ok, c'est tout à fait bien, mais c'est vrai qu'on n'a pas la même, on n'a pas la même découpe. Donc comme on n'a pas la même découpe, on n'a pas le même jus, et comme on n'a pas le même jus, on n'a pas la même fraîcheur et on n'a pas le même goût. Donc je fais mal, quoi. Bah, on fait un petit pesto. Est-ce qu'on lui dit? Jiri, il a quand même été pas très sympathique avec les femmes aujourd'hui. Je pourrais complètement. Hein. Non, vous faites bien. Mais vous faites bien. Vraiment faire avec ça ou pas avec ceci. Vous faites un pilon. L'origine, vous faites un pesto, c'est au pilon mortier à la base. Ouais. Mais bon, vous en avez pour 15-20 minutes à taper sur votre table en bois avec le pilon mortier. On fait ça ici. On en a quoi pour 5 minutes avec de l'ail, du persil, des pignons de pin. Donc voilà. Et en 2023, qu'est-ce qui est tendance maintenant alors? Ah ben en fait, c'est la connectivité. Comme dans tout, hein, d'ailleurs. Hein. On est hyper connecté. On peut laisser ça là. La connectivité, c'est l'idée d'avoir un appareil électroménager raccordé à son téléphone, même son four, etc. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez votre recette, vous pesez la bonne quantité et sur votre livre de recettes virtuel, la page tourne automatiquement et vous passez à la recette d'après. Bon, c'est très bien fait. Voilà. C'est très bien fait. Bon, il y a le côté où à un moment donné, ça va limite un peu trop loin. Ce qui fait qu'à un moment donné, les gens, au lieu de regarder leur électroménager, j'espère qu'ils ne vont pas finir par regarder que leur téléphone. OK ? Parce qu'à la base, il faut quand même regarder son électroménager, en tout cas sa recette. Mais il y a un côté vraiment sympa. Surtout, ça aide les gens à utiliser un électroménager à fond. Plutôt que d'en acheter 5, on en achète un bon et on l'utilise à fond. Ce qui est plus important. Et donc la connectivité, pour moi, elle sert surtout à ça, évidemment. Bien. Et ben voilà deux beaux appareils pour aujourd'hui. Vous reviendrez une prochaine fois avec d'autres choses ? Avec grand plaisir. Et ben voilà. Sinon, ça a été de porter tout ça jusqu'ici ? Oui, c'est pas tout près, le parc. C'est ça. Par contre, il n'y a pas trop de trafic, on peut venir facilement. Mais la petite moulinette aurait été peut-être plus. Je prendrais un plus petit la prochaine plus légère. Fois. Je sais pas, moi, prenez un diable, une petite charrette, un petit chariot la prochaine fois. Okay. Merci Thomas. Merci beaucoup. Merci à vous.